Hi guys, comment nous sommes? Comme nous connaissons déjà, nous sommes Dina. Jeudi, nous sommes venus avec une nouvelle vidéo pour nous. Dans la vidéo aujourd'hui, nous avons un invité spécial, invité à Tena et qui passe dans la chaîne là déjà. Mais aujourd'hui, nous allons retourner encore pour venir traiter un sujet très 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 important encore pour nous. Nous souhaitons bien entendre, nous bien comprendre ça la vidéo et si nous avons des questions à poser. Ok? Et pas oublier, j'aime toujours dire non. Pas oublier commenter, abonner avec channel là et partager pour toute famille amis nous qui fait partie de Team Dina. OK, n'a passé avec Miss Katiana. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Moi j'espère que nous en forme et chacun que nous connaît déjà nous c'est débutant Katiana. C'est vraiment un plaisir pour moi là avec nous encore une fois après-midi hein, pour nous parler d'une maladie qui est assez intéressant chacun que moi toujours dire qui se dysménorrhée dans terme médical. Que nous tous nous connaissons sous nom de l'EREC. Donc après-midi, je vais vous dire qui ça qui cause que un monde pendant les guerres li est capable de douleur. Est-ce que pas bon moyen pour nous un petit soulagement pour lui? Est-ce que pas bon moyen de prévention? C'est de tout ça que nous allons parler après-midi. Hein? Si toutefois vous avez une question, je pense que vous êtes capable de quitter le moment en commentaire. Après ça, je vais répondre. Merci beaucoup. Jean que moi dit là nous allons parler de dysménorrhée. Normalement, il y a deux types de dysménorrhée ou bien deux douleurs que nous sommes capables de gagner. Nous avons primaire et secondaire. Primaire, c'est même qui s'accueille, qui fait la différence entre primaire et secondaire. Là. Et bien, dysménorrhée primaire, c'est même, fille, c'est même, il y a une règle. Pendant le premier jour, deuxième jour, nous sommes capables de gagner douleur. Soit les pour un petit médicament, si la règle a duré 3 ou 4 jours. Depuis ce premier deuxième jour, nous sommes capables de gagner un petit soulagement. Non, dysménorrhée primaire là ou bien douleur primaire là. Mon ça lui-même est capable soulager c'est par rapport avec pendant la entrée dans l'âge ou encore si toutefois mon ça lui-même lui fait un bébé qui en pile nous nous connait habitué tendez si mon ça lui-même lui fait un bébé est capable j'ai un petit soulagement par rapport avec problème là. Tandis que dysménorrhée secondaire là lui-même lui finit par rapport avec une maladie gynécologique que en pile nous ignorer. Voilà. Qui ça qui cause que fils à lui-même il gagne douleur dans règle. Normalement, toute fille nous gagne hormone qui sécrète la caille nous qui c'est prostaglandine qui sécrète qui permet que qu'on contraction qui fait dans la matrice là. Les pour fille en gagne règle, ensuite pendant accouchement qui permet que bébé en lui-même est capable sortir. Maintenant, qui ça qui va cause douleur ça? Eh bien, c'est les hormones ça lui-même l'a détaché dans l'endomètre ça qui aurait les tissus qui couvre matrice là et bien les hormones ça les libal détaché ensemble avec endomètre là libal permet que gon contraction qui fait dans matrice là que fille en même libal sentir douleur dans moment. Yon dit que prostaglandine li pas seulement cause qui ka permet que yon fille li gen douleur pendant règle. Yon dit que si toutefois mon nan son moun ki pas vraiment fait exercice physique, si mon nan gen yon fibrome ou bien chaque me dit là si mon nan gen yon fibrome yon kis ou bien une maladie qui pas traité, yon IST qui pas traité, qui vient arriver à atteindre top de Fallope, ovaire ou bien quelque soit l'autre organe dans fille et bien problème ça les même capable permettre que fille li gen douleur pendant moment ka bay fille les même li problème. Si toutefois mon nan gen un antécédent familial par exemple maman te kon gen douleur elle te kon gen règle kounya maman moi gen possibilité pour moi gen douleur tout pendant que moi gen règle moi. Donc c'est tout ça qui permet que fille en même li gen douleur pendant que li gen règle. Normalement gen en pile fille là ou gen règle qui pas seulement gen vent fait mal. Gen en pile fille qui pas seulement gen crampe en bati vent li ou bien tout senti fait mal. Gen fille tout pendant moment règle hein qui gen envie vomi, ça que rele nausée hein. Gen moun qui a vomi et gen pendant y a vomi il a diarrhée en même temps. Gen fille qui kon senti yon fatigue, gen qui kon gen tête fait mal, gen qui kon gen vertige. Bon dit que fille sa li yon ka présenté tout signe ensemble avec symptômes que on moun ka gen pendant que li enceinte. Pendant que moun nan gen règle, li présenté tout signe ensemble avec symptômes de grossesse. Donc tout ça yo vini ensemble avec c'est par rapport avec problème que moi t'ai dit en l'air on moun nan ka présenté ça yo mais tout si mon a présenté problème ça qui ça que li ka fait est-ce que si moi rete en premier mois moi gen règle moi gen gros douleur moi boire paracétamol ou bien moi boire ibuprofène en deuxième mois moi boire ça toujours même j'aime toujours gen gros douleur douleur pas j'en calmer laisse en venir il te kon fait 3 4 jours il commence à faire 8 jours est-ce que moi boire la chita pour m'a garder ça comme ça non vous supposez aller voir un médecin ou aller voir un gynécologue l'arrivée
il y a des analyses que vous allez faire pour vous, vous allez faire diagnostic, il y a faire des examens, soit examen pipi ou bien examen avec sang, puis il y a des problèmes que vous même vous gagnez. Si toutefois, examen ça que ouais vraiment pas aucun trace de maladie que moi je dis, là yo bal bon fait soit une ultrasonographie ou bien tout yon la paroscopie, puis yo ka ouais est-ce que problème moi c'est pas dans matrice ou lié ou bien tout dans l'autre organe qui en dedans aux gens que me dit là est-ce que c'est pas un kyste qui a développé dans ovaire. Maintenant immédiatement médecin lui même il fait une analyse pour li ouais qui problème que ou gagne qu'on y a là li bal ka fait en prise en charge. Pour est-ce que c'est un petit traitement médicamenteux qui a fait pour vous? Est-ce que vous avez dit, ok, chaque fois que vous avez un régulier, deux jours avant ou trois jours avant, vous prenez un analgésique qui est antidouleur, vous prenez un ou bien vous prenez un anti-inflammatoire qui est par exemple ibuprofène, par exemple ibuprofène, ou prenez un ou bien tout, si ça n'a pas marché, vous avez fait une opération pour vous. Heureusement pour vous, si ça va être trop gros, vous avez juste un bon médicament. Ou fourni et puis tout ça marche ou bien tout s'il va marcher ou obligé faire il a obligé faire opération pour capable jeune soulagement ensemble avec problème là. Maintenant Jacques me dédit là gain possibilité pour joindre traitement pour lui secondaire ou primaire gain moyen pour le traiter seul bagaille me rappelle que me dit si son antécédent familial si maman me gain si maman me gain ou bien grande moi pas connait qui te gain moi même vinn gain ça moi capable dit que ou ca bouquer un médicament pour lui il doit pas marcher parce que médicament pas fait effet sur tout monde même genre moi même ca conne gain moi prend tel médicament ou même l'on aller il pas fait même effet à sou c'est ça que fait pas seulement rester OK un tel te gain il prend un ibuprofène moi même tout bon prend une et puis pour est-ce que ça marche non ou aller au médecin puis regarder qui gens ça est pour ensuite puis ca faire prise en charge maintenant. J'ai comme dédié là traitement lié ni capable fait c'est traitement médicamenteux mon docteur a toujours prescrit un analgésique ou bien un anti-inflammatoire si mon nèm li a vomi li a pété vomi pour éviter que li déshydraté yo capable bali un antiémétique nous gagne par exemple gravol que on peut utiliser pour ti moun et ensuite nous gagne métoclopramide que mon grand moun ni même li capable prendre si toutefois vomissement li persistant pour éviter que mon ennemi même déshydraté, il est capable de prendre un médicament ça. Voilà. Nous pas seulement rester nous-mêmes, nous pas dans mode genre grand monde compte toujours dire, je compte toujours dire éviter million passer mandé pardon. Au lieu que nous pédé à prendre médicament, est-ce que pas bon bagaille que nous-mêmes nous ca fait pour nous éviter problème là? Par exemple, moi-même personnellement, tant que si par exemple dans moi moi pas vraiment gaitan moi toujours occupé moi pas gaitan pour manger à temps pour me boire et puis tout moi fatigué en pile l'aime gien avec moi pas bon même pas bon même pendant ce temps si moi contrôler ça moi manger bien moi boire bien mais pas trop stressé dans moment juste vivre j'aime doit vivre parce que li ka venir moi pas même connaît. C'est ça fait que m'bra di nou, ti exercice physique yo vraiment important, éviter stressé. Donc ti exercice physique yo vraiment important, éviter stressé. Oui, m'konnen, nan moman bagay yo pa bon. Ou ka gen stress nan entourage ou soit nan a fè l'école ou bien stress pays, gen pile bagay ki ka pèmèt ke ou stressé, men nan moman m'konnen m'bra gagman essayer chercher un petit loisir quand même. Enjoy moment parce que me connais ça li vraiment psychologiquement parlant de pou gitan ou pas trop nuit parce que ça li même la bon soulagement pour ensuite essayer adopter un bon régime alimentaire. Je ne toujours dit nous pas seulement manger pour nous manger mais au moins pour nous manger ça nous supposé manger et le ça li pas seulement aider nous soit dans affaire règle nous mais dans un paquet d'autres maladies encore parce que ça même yo a aider nous et stress exercice physique et façon que n'a manger tout ça capable aider nous pour éviter un paquet de maladies. Maintenant moi pense que tout ça me dit là alors moi pense que moi dit assez dans ça me ta supposé dit si toutefois il y a un bagage que nous ta me connaît nous pas fin trop clair dans ça que me dit pas éviter poser une question. Donc je dis nous pas vraiment non, c'est juste un petit passé, nous t'ai vrai fait. Moi pense que nous assez clair, si toutefois qu'on bagage que vous voulez connaître en plus que moi pas dit là, quittez-le pour moi dans commentaire, ensuite moi répondre. Merci beaucoup.
Ok, nous remercions Miss Katiana. C'est toujours un plaisir pour m'inviter sur la chaîne là pour le faire Team Dynamio comprendre et plus. Ok? Surtout sous bagay ça qui est vraiment important. Si nous avons une question, mais moi-même, une question que je pose dans les commentaires, comme nous ne sommes pas au même côté. Et moi, vraiment remercie, merci un peu, Miss Katiana, parce que vous avez choisi de parler des sujets qui sont très importants. Nous vous dans l'autre vidéo. Ok? Bye!